Vous êtes philosophe. La question du sport est une question qui n'occupe pas dans votre œuvre, c'est le moins qu'on puisse dire, une place centrale. Peut-être le sport occupe-t-il une place dans votre vie, bien que pour vous la philosophie consiste à penser sa vie et vivre sa pensée. Si le sport occupait une place importante, vous en parleriez sans doute. Mais est-ce à dire que le sport, pour vous, est quelque chose d'indifférent Indifférent, Indifférent c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vrai par quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans, dans, dans mon œuvre, comme vous dites, qu'il occupe peu de place, c'est dans la philosophie. On, on, si on fait des recherches, on trouvera quelques petits textes de philosophes euh, où il est question du sport, mais c'est toujours un petit peu en passant, toujours euh, à la marge. Peut-être que ça reflète euh, ce qui pour moi est une évidence, mais que notre époque euh, médiatique euh, a tendance à oublier, c'est que d'évidence, le sport n'est pas l'essentiel de la vie. Le sport n'est pas l'essentiel de la société. Le sport n'est pas l'essentiel d'une civilisation. Autrement dit, le sport est très clairement quelque chose de, de secondaire, en, en, en général. Bon, c'est pas très important. Voilà ce qu'il faut dire euh, d'entrée de jeu. Et alors, dans ma vie, c'est plus que secondaire, ou moins. C'est-à-dire que c'est pas important du tout. C'est-à-dire que je ne fais pas de sport. Euh, j'ai une vie active, je marche, je bouge, je suis pas affalé devant ma télé, mais je ne pratique aucune discipline sportive. Et malgré tout, le sport m'intéresse pour deux raisons. D'abord parce que c'est un phénomène de société et c'est devenu aujourd'hui même un phénomène de société euh, bizarrement majeur. C'est-à-dire qu'objectivement, ce n'est pas très important et pourtant, ça occupe une place énorme sur nos écrans de télévision, dans, dans les pages de nos journaux. Donc le, le, le sport m'intéresse comme phénomène de société. Et puis, il m'intéresse de façon plus personnelle parce que je suis père de famille. Il se trouve que j'ai trois garçons, et que comme beaucoup de, de, de garçons de, de leur génération, ils ont été, et ils sont encore, dans une moindre mesure, passionnés de football. J'ai engendré trois footeux, euh, ce qui m'a longtemps désolé, évidemment, parce que j'aurais préféré qu'ils se passionnent pour la littérature, pour le cinéma, pour les filles, toutes tout sortes de, de sujets, effectivement, passionnants. Alors, J'imagine que pour ce qui est des filles, ça les intéresse quand même, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à accepté pendant des années que leur passion dominante, ça soit le football, euh, euh, qu'ils pratiquaient un petit peu. Ils ont été inscrits tous les trois au club de, de foot de la petite ville dans laquelle nous vivons, et puis ils ont beaucoup joué avec leurs amis, mais aussi et surtout comme supporters, puisque les trois sont des supporters de, de l'OM, euh, alors qu'on n'a aucun rapport avec Marseille euh, en général, ni avec l'OM en particulier, mais il s'est trouvé que euh, l'aîné devait avoir 10, 11 ans, je crois, quand... Euh, L'OM a gagné la Coupe d'Europe, si mes souvenirs sont bons, de football et que dans la passion de, de cette victoire, il est devenu pour la vie supporter de l'OM et qu'il a réussi, à, sans difficulté d'ailleurs, à convaincre ses deux frères de, de l'être également. Et donc, en tant que citoyen d'une part et, et en tant que père de famille d'autre part, il a bien fallu que je vois les choses comme elles sont, c'est-à-dire que euh, le sport n'a aucune importance dans ma vie personnelle. Il n'a à mon sens pas beaucoup d'importance pour l'humanité pas beaucoup d'importance en soi si l'on peut dire mais paradoxalement il a fini par en prendre beaucoup dans notre société et spécialement dans notre jeunesse et ça vaut donc la peine d'y réfléchir si on se place à un niveau nettement philosophique. Votre philosophie développe des motifs matérialistes, monistes, non dualistes pour être peut-être plus clair. Euh, pour reprendre une question que posait... L'un de vos maîtres, Spinoza, que peut le corps Et cette question, que peut le corps Est-ce que le, sachant que le corps n'est pas séparable de l'esprit, il y a une seule réalité, on peut les distinguer sans qu'il s'agisse de deux réalités distinctes. Est-ce que le sport tout de même peut participer à, à y répondre Est-ce que le sport a sa part dans, le, dans cette interrogation et dans les réponses que l'on peut donner Oui, mais de façon là, encore pas décisive. C'est-à-dire que peut le corps Le corps humain peut courir un 100 mètres en moins de 10 secondes point, <laughs> qu'elle n'intéresse à, à, à mon avis aucun. Euh, le corps humain peut penser, parce qu'être meniste, être matérialiste, ça n'est bien sûr pas contester que, que nous pensions, c'est penser que c'est le corps qui pense, en l'occurrence, que c'est le cerveau qui pense. Alors voilà, le fait que, que peut le corps eh bien le, le corps peut penser. Euh, il peut courir, il peut courir très vite, moins vite, mais il peut penser, il peut aimer, euh, il peut connaître, il, il peut vouloir. Euh, et tout ça me paraît plus... Plus important. Autrement dit, être un philosophe matérialiste, ça n'est pas mettre le corps plus haut que l'esprit, c'est penser que l'esprit est une partie du corps, que l'esprit est une fonction du corps. Et c'est vrai que j'ai tendance à accorder davantage d'importance à la puissance de penser, à la puissance d'aimer, à la puissance de vouloir, c'est-à-dire à, à l'intelligence, au cœur, à la volonté, qu'à la puissance de courir ou de taper dans un ballon. Parce qu'un philosophe, il y en a quand même quelques-uns qui ont réfléchi euh, au sport. Michel Serres, par exemple, il dit, il remercie ses professeurs de gymnastique euh, qui euh, lui ont appris à penser. Euh, donc peut-être qu'il y, y a un apprentissage de la pensée qui passe euh, par le sport. Peut-être pour Michel Serres, pour moi, assurément pas. Moi, les gens qui m'ont appris à penser, ce sont des professeurs de philosophie et, et d'abord des philosophes. C'est-à-dire Spinoza, que vous évoquiez, Épicure, Aristote, m'ont appris à penser beaucoup plus qu'aucun de mes professeurs de, de sport. Ça vous semble difficilement concevable Non, non, je vois très bien ce que peut vouloir dire euh, Michel Serres, mais vous savez, il n'y a pas d'importance en soi, en, en vérité. Autrement dit... C'est la formule de Spinoza, ça n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Si vous aimez le sport, le sport sera important dans votre vie. Si vous n'aimez pas le sport, le sport ne sera pas important dans votre vie. Voilà, moi je n'ai pas, pas de goût, je n'ai pas d'appétence pour le sport. Et ce qui apprend à penser, c'est toujours au fond des choses qu'on aime. La sexualité m'a appris à penser, ça, ça oui, parce que c'est une science de la vie qui m'a paru décisive. La politique m'a appris à penser, l'écriture m'a appris à penser, l'enseignement m'a appris à penser. Voilà des, 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 des éléments qui dans ma vie sont, sont, sont des choses vraiment très, très importantes. Le sport, non, mais ça n'empêche pas que c'est important dans la vie de Michel Serre. je ne lui reproche en rien. Parce que ce n'est pas nécessairement le sport rapporté à des, à des performances, hein. il n'y a pas que les 10 secondes, il y a peut-être la maîtrise du corps, l'accomplissement du corps, il y a peut-être un rapport oui, au sûr, corps que le sport nous apprend. La maîtrise du corps dans la sexualité me paraît autrement intéressante que, que dans la course à pied. Alors, j'ai fait du jogging pendant assez longtemps, là j'ai arrêté il y, a, il y a plusieurs années. Euh, ça m'a appris un petit peu certaines choses. Vous voyez, mais euh, j'ai pratiqué aussi et je pratique encore euh, parfois le, la méditation assise, silencieuse et sans objet, le zazen comme on dirait en, en, en japonais. Euh, et pour ce qui est de la maîtrise du corps, euh, l'immobilité stricte et la respiration euh, et l'attention m'en ont appris davantage que la course à pied proche du silence, Alors, il faut la mettre en écho avec le silence. Oui, à cause du, du, du silence, à cause de, de, de l'attention pure, comme disait Simon Veil, que vous aimez aussi, vous connaissez la, la belle formule de Simon Veil, euh, l'attention absolument pure est prière, oui. mais c'est une prière qui ne dit rien, qui ne demande rien, donc pour moi ce n'est pas une prière du tout, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la méditation. Alors, la, la méditation, être assis silencieusement, le dos droit, hein, euh, être assis immobile et en silence, euh, C'est un exercice corporel, là, pour le coup, mais ça n'est pas un exercice. Sportif. Et au fond, c'est peut-être ça que, que je, je pourrais dire pour en terminer sur, sur, sur ma modeste personne c'est que le corps m'importe beaucoup. Euh, le sport m'importe très peu. Et, et là où je m'éprouve le plus, le plus corporel, ça n'est pas dans le peu de, de sport que j'ai fait euh, c'est dans la vie quotidienne, c'est dans les plaisirs de la chair, c'est dans les plaisirs de, de l'amour. Et, et c'est aussi effectivement dans cette pratique de la méditation assise, silencieuse. Et sans objet. Incidemment, on trouve dans, 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 votre, dans, dans vos textes, dans votre œuvre, on, on trouve tout de même des références qui, euh, qui présentent un intérêt pour le peut-être pour le sportif en général, en tout cas pour la question sportive. Par exemple, lorsque vous distinguez, à la suite des, des, des stoïciens, entre le scopos et le telos, hein, au fond, entre le, le but et la fin, deux manières de se rapporter au temps, est-ce que... Vous, vous, oui, alors, voilà, l'une des, des rares fois où j'ai parlé de, du sport... C'est effectivement pour pour commenter cette distinction stoïcienne entre le scopos, c'est-à-dire littéralement le but, et le telos, c'est-à-dire littéralement la fin, au sens de, de la finalité. Euh, prenons un exemple concret avant d'aller au fond. La course à pied. Euh, le but, au fond, c'est la ligne d'arrivée. Elle est à 100 mètres si on court un euh, 100 mètres. Euh, et donc, il n'est pas là le but, puisque par définition, quand on est en train de courir, on n'est pas sur la ligne d'arrivée. Euh, la fin c'est de courir le plus vite possible. Et pendant que le sportif est en train de faire sa troisième foulée, il n'a pas encore atteint son but, il n'a pas atteint la ligne d'arrivée, mais il est déjà en train de courir le plus vite, le mieux possible, il, est déjà en train il a déjà atteint son télos. Autrement dit, le but est toujours à venir et donc il n'est jamais là. Le, le but, par définition, on ne l'a pas atteint, puisque une fois qu'on l'a atteint, ce n'est plus un but. Euh, le but est toujours à venir et donc il n'est jamais là le, le telos, la fin, est toujours présente, toujours actuelle, toujours là. Alors pour montrer les, les enjeux, il faut prendre peut-être un exemple un peu plus développé. C'est d'ailleurs un exemple qui, qui m'intéresse pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'on trouve en effet dans, dans des textes stoïciens, mais aussi en Orient, dans des textes bouddhistes et, et, et taoïstes. C'est l'exemple du, du tireur à l'arc. Alors on va prendre l'exemple dans une formulation sportive et, et contemporaine. Imaginez la finale de l'épreuve de tir à l'arc euh, aux Jeux Olympiques. Vous avez là euh, les huit finalistes, par exemple, tous en train de viser en même temps, par hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas, l'épreuve réelle, mais peu importe. Euh, et vous les interrogez les uns après les autres. Et vous demandez euh, au premier, alors, euh, tu espères atteindre la cible L'autre va vous dire, bah, attendez, bien sûr, c'est la finale des Jeux Olympiques, bien sûr que j'espère atteindre la cible. Euh, et comme il n'y a pas d'espoir sans crainte, comme dit Spinoza, euh, parce qu'il espère atteindre la cible, inévitablement, il a peur de la rater. C'est ce qu'on appelle exactement la pression. Il est pris entre l'espoir et la crainte, ou plutôt il a les deux inévitablement ensemble, et comme il espère très très fort atteindre la cible, il a très très peur de la manquer. Comme c'est un très grand champion, il atteint la cible quand même, mais. La main a très légèrement tremblé à cause de la pression. Il atteint la cible, mais pas en plein cœur, pas au plein centre. Et, et si vous interrogez les sept premiers finalistes, ils vont tous vous leur demander est-ce que tu espères atteindre la cible Tous vous diront bien sûr, j'espère atteindre la cible, c'est la finale. Parce qu'ils l'espèrent, ils ont peur de la rater. Leur main tremble très légèrement, ils ont la pression. Ils touchent la cible, mais pas au plein centre. Et puis, vous interrogez le huitième et dernier finaliste, qui serait par exemple un petit sportif euh, japonais qui ne paye pas de mine, un maître zen euh, quelconque, euh, vous lui demandez, alors toi aussi, tu espères atteindre la cible Il vous répond, mais non, pourquoi bah, Attends, c'est la finale, si tu la vises, euh, c'est que tu espères l'atteindre Ah non, non, pas du tout. Mais alors pourquoi tu la vises Parce que je veux la viser. Et sur les huit, il y en a tout d'un coup un et un seul, dont vous comprenez que lui ne désire pas quelque chose qui est à venir, atteindre la cible. La flèche n'est pas encore partie, Il désire cet hôte désire atteindre la cible, il désire ce qu'ils n'ont pas, par définition. Ils sont donc en, en manque, ils désirent quelque chose qu'ils n'ont pas. Le huitième ne désire que bien viser la cible. Or, c'est exactement ce qu'il fait. Si bien que les sept premiers désirent ce qu'ils n'ont pas, n'ont pas ce qu'ils désirent, donc ne sont pas heureux, puisque être heureux, c'est exactement avoir ce qu'on désire. Le huitième ne désire qu'une seule chose, viser la cible, c'est ce qu'il fait, il désire ce qu'il fait, il fait ce qu'il désire, il est heureux. Il est à la fois concentré et en souplesse, comme dit Epictète, sans pression, comme diraient les sportifs aujourd'hui, et donc il atteint un pouls en plein cœur, disent les textes taoïstes. Alors voilà, c'est ça. Les sept premiers visent un scopos, un but, et donc ils désirent ce qu'ils n'ont pas. Le but, par définition, on n'y est pas. Quand la flèche sera là, l'épreuve sera terminée, il sera trop tard. Le huitième ne désire aucun scopos, il désire un telos. Il désire viser bien pendant qu'il vise. Les sept premiers désirent l'avenir, c'est ce qu'on appelle une espérance, donc une peur. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, pas de crainte sans espoir. Le huitième désire ce qui dépend de lui, désire ce qu'il fait. Ce n'est plus une espérance, c'est une volonté, c'est une action. Alors, en termes de tir à l'arc, je pense que le huitième bénéficiera d'un avantage et que toute chose égale par ailleurs, si dans le même niveau sportif, le huitième sera le meilleur parce qu'il aura sûrement moins de, moins de pression. Mais surtout, philosophiquement, c'est pas du tout la même chose. Parce que désirer ce qu'on n'a pas, c'est se séparer du bonheur, bien sûr. d'ailleurs, je n'ose pas imaginer que le finaliste en train de, de viser sa. Sa cible, au final, des Olympiques se disent Qu'est-ce que je suis heureux Non, il va se dire mais il, a, il a la pression, il a peur, au fond, c'est un moment d'angoisse. Le huitième qui se fout d'atteindre ou pas la cible, il vise la cible, c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il fait, il est heureux. Et les textes stoïciens disent que le sage préfère viser bien la cible et la rater parce qu'une saute de vent soudaine aura fait dévier la flèche plutôt que viser mal la cible. Et, at et atteindre pourtant la scie parce qu'une saute de vent soudaine aurait remis la flèche dans la bonne direction. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas le résultat de l'acte, comme diraient les orientaux, ce qui compte, c'est l'acte lui-même, c'est la qualité de l'acte, ce n'est pas le but, le scopos, c'est la fin, le télos. Et c'est là où il y a à la fois le plus de bonheur, le plus de sérénité et, me semble-t-il, le plus d'efficacité. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que pour illustrer... Euh des réflexions philosophiques sur le désir, sur l'espérance, sur la volonté. On peut prendre un, un exemple sportif. Le sport a là une, une vertu pédagogique. Ah oui, bien sûr, mais comme on peut prendre des exemples dans le business ou, ou dans la ah, politique. Ah oui. Pas plus le sport, mais pas moins, oui. si vous voulez. Là, je je prends un exemple sportif parce que nous, nous, nous parlons du sport, mais bien sûr que ça peut avoir une vertu pédagogique, une vertu d'exemple, mais comme toute euh, activité humaine, si vous voulez. Alors ce qui me désole, c'est que. Quand je vois le sport comme il est pratiqué, euh, on met dans la tête de malheureux enfants l'idée de désirer perpétuellement un but à venir. Le gamin, il a 7 ans, il est en train de faire ses premiers échanges au tennis, enfin quoi qu'il ait dû commencer à 4 ans, donc c'est pas les premiers et il fantasme sur le fait qu'à 16, 17, 18, 20 ans, il fera peut-être partie des dix premiers joueurs mondiaux. Mais attendez, il a 7 ans. Vous l'installez dans l'espérance, donc dans la crainte, pendant des années. Quand je pense à ces milliers de jeunes gens qui passent des heures et des heures en piscine, dans l'espoir que dans 10 ans, dans 15 ans, ils auront une médaille aux Jeux Olympiques et qui vont. Perdre leur enfance, peut-être pas, mais il y a tellement mieux à faire quand on a 7 ou 8 ans que faire des longueurs en piscine indéfiniment. Euh, sans compter que la plupart de ces sports sont très mauvais pour la santé. Beaucoup de, de grands sportifs à 30 ans sont terriblement abîmés. Alors là, pour le coup, c'est peu vrai la natation, mais c'est absolument vrai du, du tennis, par exemple, ce qui est un sport mauvais pour la santé au niveau de, de la compétition. Alors là, voilà, je crois que le sport peut servir d'exemple pédagogique pour penser par exemple à la différence entre le but et la fin entre le scopos et le telos mais que malheureusement la façon dont le sport de compétition fonctionne est à l'opposé de la vertu pédagogique qu'il pourrait avoir pour le sport de compétition parce qu'inversement j'avais été touché quand mes garçons étaient inscrits donc, au club de football de la, la petite ville de, de Seine-et-Marne où, où nous habitions à l'époque. Euh, ils avaient donc une licence, donc un petit carnet de, de, de licence et qui était préfacé cette année-là cette année par Platini. Euh, alors, euh, déjà à la retraite, mais au, au sommet de, de, de la gloire. Et, et Platini disait à ces jeunes garçons, euh, ne rêve pas que tu seras un footballeur professionnel, ne rêve pas que tu, joueras, euh, tu participeras à la Coupe du Monde de football, prends plaisir à taper dans le ballon quand tu tapes dans le ballon. C'était une espèce de, de leçon de stoïcisme, de leçon de sagesse faite par Platini à l'usage de, de jeunes garçons. Et je crois que c'est bien plus important de de leur apprendre ça, prendre plaisir à faire un match de foot quand on fait un match de foot, prendre plaisir à courir quand on court, à taper dans le ballon quand on tape dans le ballon, à taper dans la balle quand on tape dans la balle, plutôt que espérer dans cinq ou dans 10 ans avoir un niveau sportif que, selon toute vraisemblance, on n'aura jamais et qui, quand bien même on l'aurait, ne compensera pas forcément les années qui auront été sacrifiées à poursuivre ce but. Donc là, c'est un thème qui vous est cher, comme la phrase de Sénèque que vous aimez citer. Quand tu auras des appris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Voilà, autrement dit, espérer un peu moins, vouloir donc agir un peu plus. Mais j'ai entendu alors une tenniswoman, je crois que c'est Mauresmo, si mes souvenirs euh, euh, sont bons, qui expliquait que pour elle, la concentration, c'est quand elle tapait euh, dans la balle, ne rien penser, ne pas penser à autre chose qu'au fait de taper dans la balle, être un avec l'acte qu'on accomplit. C'est la leçon des arts martiaux dans, dans, dans le, le zen japonais aussi bien, euh, deux sportifs qui font par exemple un, un combat de, de, de judo. Celui des deux qui espère la victoire euh, inévitablement, il a peur. Et comment voulez-vous espérer la victoire alors que le combat est en cours La victoire par définition n'est pas là. -dire, mais comment faire un combat de judo si on n'espère pas la victoire mais, si tu es en train de monter une prise, d'effectuer une prise, il ne faut désirer que la prise que tu effectues. Et il faut donc vouloir et non pas espérer être un avec le geste qu'on accomplit au moment où on l'accomplit. Et si bien que le, le, le vrai champion zen, le, le, le maître de sagesse, qui serait par ailleurs un sportif, se reconnaîtrait à ceci qu'il n'espère pas la victoire, qu'il n'a donc pas peur de la défaite. Il, il n'en est que mieux concentré, puisque celui qui pense déjà à la victoire ou qui craint la défaite, il est séparé de son acte, puisque la victoire ou la défaite ne sont pas encore là. Il est séparé du présent par l'avenir. Celui qui a renoncé à l'espérance et qui s'est libéré de la crainte est tout entier au présent, tout entier dans son acte. Il est beaucoup plus redoutable. Je crois que qu'on lit ça dans, dans les textes zen, mais euh, le samouraï, comme il dirait, qui n'espère pas la victoire et qui n'a pas peur de la défaite, celui-là est vraiment invincible. – On peut se demander s'il ne faut pas tout de même insister sur une distinction entre le, le sport comme accomplissement de soi, euh, qui participe à notre excellence, à la manière dont les Grecs pouvaient le concevoir, et puis ce sport dépassement de soi, euh, avec cette notion de performance, de compétition, car vous vous insistez là sur la, la compétition. Est-ce qu'il n'y a pas la confrontation entre deux de, de conceptions, non seulement du sport, mais deux conceptions de, conception de l'homme, du, du rapport de l'homme à son corps, du rapport de l'homme peut-être au, au temps, ou à, ou à la vertu ?– Bien sûr, bon, il y a le fait la différence entre un sport qui fait du bien, l'accomplissement de soi, et un sport qui fait du mal, le dépassement de soi. En, en, entre un sport euh, qui est tout entier dans une forme de... De paix, hein, parce que dans l'accomplissement de, de soi, dans le geste réussi, dans le geste parfait, il y a là une forme de paix et de bonheur. Et un geste, un sport au contraire, qui est tout entier dans la compétition, la rivalité avec l'autre, donc l'agressivité, donc l'espérance de la victoire, là, la crainte de la défaite, bien sûr. Et autant je suis très réservé vis-à-vis -vis du, du sport de, de, de compétition, autant je n'ai bien sûr rien contre le sport. Euh, passe-temps, loisir, euh, hygiène, euh, un corps dans, un esprit saint dans un corps sain, un hein, mensana in corpore sano, selon la formule euh, bien connue, tout cela me paraît parfaitement euh, euh, souhaitable, évidemment. Je, je ferai simplement observer, pour revenir au sport de compétition, que l'idée même de dépassement de soi euh, est une idée quand même très singulière. Hein. Essayez en courant de vous dépasser vous-même, vous verrez que vous n'y arriverez jamais. Il euh, n'y a pas de dépassement de soi, il y a une progression. Alors effectivement, il y a le fait qu'on veut toujours dépasser celui qu'on était hier, on veut battre son record. De plus dérisoire que de vouloir battre un record en général et, et le sien même, le, le sien propre en, en particulier, si vous voulez. D'autant que de toute façon, la leçon de la vie, c'est que dans 20 ans, quoi que vous fassiez, vous courrez moins vite qu'aujourd'hui. Et à l'âge que nous avons, vous et moi, vous courrez beaucoup moins vite euh, qu'aujourd'hui. Euh, donc toute la nature, tout le réel, toute la vie, nous apprend que l'idée de battre un record, et a fortiori de battre le sien propre, est une idée foncièrement dérisoire et, et, et vouée à l'échec, si vous voulez. Et, et passer 15 ou 20 ans de sa vie dans l'espoir qu'un peu avant 30 ans, on battra un record qui fait qu'il y aura votre livre dans le Guinness des records ou dans les archives de la Fédération de, de course à pied ou de je ne sais quoi pendant quelques années. Et que 20 ans plus tard, tout le monde aura oublié, évidemment, ou 30 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, tout le monde aura oublié le record que vous avez battu. Là encore, je crois qu'il y a un contresens sur l'existence humaine et un contresens sur le sport. Voilà. Le sport, bien compris pour moi, ça ne doit pas servir à battre des records, ça ne doit pas servir à, à battre les autres, ça doit servir éventuellement, pour ceux qui aiment ça, à, à s'épanouir. Ça doit servir à, à devenir ce qu'on est, comme disait Nietzsche, citant d'art plutôt qu'à qu dépasser perpétuellement celui que l'on était. Ici, le sport est à la fois le, 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 le reflet d'une société, mais aussi la société, elle se, elle se projette dans le, dans le sport. Par exemple, cette notion de compétition dont nous parlons, cette, cette recherche de la performance elle est présente dans, le, dans, dans la totalité de, de, de la société aujourd'hui. Oui, et alors là, pour le coup, je n'ai rien contre. C'est là où peut-être se joue, à mon avis, l'essentiel. C'est que euh, nous vivons dans une société démocratique où règne une morale démocratique qu'on peut résumer par l'appellation les droits de l'homme. Évidemment, je ne suis pas contre, et même je suis absolument pour. Euh, et, dans la même société, le sport est l'objet d'une adulation, d'une mise en scène médiatique euh, perpétuelle. Comme si c'était un petit peu la même chose. Au fond, voilà deux traits qui caractérisent notre société, les droits de l'homme d'un côté, euh, le sport médiatisé de l'autre. Euh, L'étonnant, c'est que notre morale démocratique, les droits de l'homme, est fondée sur le fait que tous les êtres humains sont égaux. Et le sport de compétition est fondé sur le fait que tous les êtres humains sont inégaux. C'est le principe même d'un sport de compétition. Si tout le monde courait à la même vitesse, ce ne serait pas la peine de faire une épreuve de, de course à pied. Euh, alors, ça, c'est intéressant. Bien sûr, ce n'est pas une contradiction logique, parce que ce n'est pas la même égalité dont on parle. L'égalité sur laquelle se fondent les, les droits de l'homme, c'est une égalité en droit et en dignité. Ça veut dire que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. L'inégalité que suppose la compétition sportive, ce n'est pas une inégalité en droit et en dignité, c'est une inégalité en fait et en valeur. Autrement dit, on peut penser les deux à la fois. D'un côté, moral démocratique, les droits de l'homme, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, bien sûr. D'un autre côté, euh, le sport, la compétition tous les êtres humains ne sont pas égaux en fait et en valeur. Et je crois qu'il est essentiel de tenir les deux bouts de la chaîne sans les confondre. Parce que, par exemple, on a supprimé dans nos écoles très souvent les classements. Euh, voire parfois les notes parce que m'expliquent des collègues tu comprends si on fait un classement pour le dernier quand même c'est difficile si on met des notes c'est humiliant pour ceux qui ont des mauvaises notes autrement dit on veut supprimer l'émulation et la compétition de nos écoles alors qu'elle fait partie non seulement de la société vous l'avez rappelé mais elle fait partie de la vie l'émulation la compétition le combat le rapport de force l'inégalité en fait et en valeur font partie de la vie si bien que nos malheureux gamins euh, auquel on interdit l'émulation et la compétition scolaire ne trouvent plus que dans le sport l'émulation ou la compétition dont ils ont, je dirais, presque physiologiquement besoin. Si bien qu'il y a une espèce de solidarité entre le côté un peu émasculé finalement de nos pédagogies qui, ont, qui sont tellement attachées à l'égalité qu'elles veulent supprimer toute compétition, toute émulation, tout classement, voire toute note, et, et d'un autre côté la survalorisation du sport qui devient d'autant plus important que c'est l'un des rares domaines où l'on ose encore penser que tous les êtres humains ne sont pas égaux en fait et en valeur. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut tenir bon sur les deux idées. Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ça veut dire qu'ils méritent tous le même respect, parce que le sentiment que, que requiert la dignité de l'autre, c'est ce qu'on appelle le respect. Alors, ce mot de respect, on en parle très souvent dans le sport, mais presque toujours à contre contresens. Par exemple, euh, il y a un match de, de football entre deux équipes, une équipe de première, de première division, une équipe de deuxième division. On interroge le capitaine de l'équipe de première division. On dit de Ligue 1 et de Ligue 2, maintenant. Oui, Ligue 1, Ligue 2, pardon. Ligue 1 et Ligue 2. On interroge le capitaine de l'équipe de Ligue 1 qui va dire Non, non, mais c'est une bonne équipe, on a beaucoup de respect pour eux. Sous-entendu ils peuvent nous battre, on sait bien, et donc on fera gaffe. Mais ce n'est pas du tout la question. Quand bien même ça serait la plus nulle des équipes, quand bien même ils seraient absolument certains de les vaincre, ils devraient quand même avoir du respect pour eux. Parce qu'on ne doit pas avoir du respect pour les bonnes équipes, on ne doit pas avoir du respect pour les gens qui jouent bien au football, on doit avoir du respect pour tout être humain. Et dès lors que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ils méritent le même respect ils ne méritent pas la même estime ils ne méritent pas la même admiration et arrêtons de confondre le respect et le sentiment que requiert la dignité de l'autre comme toute dignité est égale à tout autre tout respect doit être égal à tout autre avec l'estime l'admiration ou négativement le mépris qui sont fondés non pas sur la dignité mais sur la valeur et comme en valeur tous les êtres humains ne sont pas égaux il est tout à fait légitime d'admirer, je ne sais pas, Liliane Thuram davantage que le, le, le joueur de troisième division ou le petit joueur amateur ou, ou le copain de, de mes garçons avec lequel il joue au, au football. Si on oublie l'inégalité en fait et en valeur, on ment à nos enfants. Si on veut leur faire croire qu'il n'y a plus de compétition, qu'il n'y a plus d'émulation, que tout se vaut, on leur ment, on les démobilise et on aboutit au nihilisme. Parce que si tout se vaut, Rien ne vaut, bien sûr. Si vous pensez que Hitler est égal en fait et en valeur à Churchill ou à De Gaulle, un, je ne serais pas d'accord avec vous, bien sûr, mais deux, euh, bah, ça veut dire que tout se vaut, que rien ne vaut, c'est plus de la démocratie, c'est du nihilisme. Si bien que tenir bon sur l'idée que les êtres humains ne sont pas égaux en fait et en valeur, physiquement, bien sûr, certains courent plus vite que d'autres, certains sont plus doués pour le foot que d'autres, mais même moralement. Pourquoi est-ce que Churchill est supérieur en fait et en valeur à Hitler Parce que Churchill pensait que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ce que ne pensait pas Hitler. Si bien que la claire pensée de l'égalité en droit et en dignité de tous les humains oblige à penser leur inégalité en fait et en valeur. Donc, je résume si on oublie l'inégalité en fait et en valeur, on, on émascule la société, la pédagogie, on ment à nos enfants, on les démobilise et on fait le jeu du nihilisme. Mais si on oublie inversement l'égalité en droit et en dignité, on ment aussi à leurs enfants parce qu'on sape les bases de la morale démocratique et la nôtre. On sape les, les bases des droits de l'homme. Alors, le sport pourrait être l'occasion pour faire passer ce message-là. Respectez votre adversaire, vos coéquipiers aussi bien, quel que soit leur niveau, ce n'est pas la question, ce sont des êtres humains, ils méritent le même respect que vous. Mais ayez bien sûr davantage d'admiration pour les plus grands champions que pour les petits copains avec qui vous tapez au ballon sur le trottoir. Mais comme ça ne se fait pas, euh, bah, on parle de respect alors qu'en vérité, le plus souvent, il est question d'estime, voire d'amour-propre, voire du sens de l'honneur. Vous savez la belle formule du philosophe Alain, l'honneur se fusille chargé. Quand les jeunes des banlieues parlent de, de, du respect qu'ils exigent, en vérité, ce qu'ils exigent, c'est qu'on respecte leur honneur. On peut se tuer, on s'est tué à la sortie de nos collèges pour un regard qui a semblé porter atteinte à l'honneur de l'autre. Le respect n'a jamais abouti au meurtre. L'honneur peut aboutir au meurtre. C'est pourquoi il est tout à fait essentiel de ne pas confondre ce qui relève du respect, la prise en compte de l'égale dignité de l'autre, et ce qui relève de l'amour-propre, l'honneur, à la limite, mieux vaudrait s'en débarrasser, et puis ce qui relève de la légitime compétition, c'est-à-dire de la légitime inégalité en fait et en valeur des humains. Voilà, moi je rêve d'un sport qui serait pour nos enfants une leçon sur ces deux points, qui leur rappellerait que tous les humains sont égaux en droit et en dignité, et qui les aiderait à comprendre que tous les humains ne sont pas égaux en fait et en valeur. on pourrait se demander si, si le sport, mais c'est le cas peut-être de l'éducation en général, ne, ne pourrait pas réconcilier l'idéal démocratique, l'idéal égalitaire et un certain idéal aristocratique bah part, au sens propre. Pour une part, c'est ce qu'il fait quand il est bien vécu, parce que vous avez raison de, de rappeler qu'au fond, cette morale démocratique, les droits de l'homme, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, c'est la nôtre, mais au fond, depuis assez peu de temps, disons en gros, depuis le XVIIIe siècle ou la Révolution française, depuis les Lumières. Les anciens, en effet ne relevait pas de cette morale démocratique, il relevait de ce qu'on pourrait appeler une éthique aristocratique. C'est-à-dire que pour Aristote, pour Épicure, il est évident que tous les êtres humains ne sont pas égaux et qu'il importe de tout faire pour faire partie des meilleurs, c'est-à-dire des aristocrates au sens littéral du mot, les meilleurs. Le sport, bizarrement, mais à mon avis de façon légitime, et ça pourrait faire partie de, de, de son beau côté, de sa dimension pédagogique, humaine, libératrice peut-être, le sport redonne dans un univers démocratique sa place à une éthique aristocratique. Parce qu'au fond, quand on dit que le meilleur gagne, hein, la, la formule du, du, du sport même, euh, bah ça suppose, un, que tous les... Les êtres humains ne sont pas égaux, parce qu'il faut que le meilleur euh, gagne. Ça suppose que la compétition est légitime, ça suppose qu'il y a des meilleurs, qu'il y a une aristocratie, une élite. Ça, un, chacun sait qu'il y a Rappel, une fait. élite sportive. C'est ce qu'on appelle le, le sport de compétition. Et ça me paraît, encore une fois, légitime. Mieux vaut s'opposer sur un terrain de foot que les armes à la main dans, dans, dans une rue ou dans de, une cité quelconque ou, ou, ou dans une guerre, bien sûr. Euh, mon, mon ami Francis Vol dans un très beau livre qu'il a consacré à la Corrida, qui s'appelle Philosophie de la Corrida, qui est paru chez... Hier, je crois en 2007 il dit à propos de l'éthique torera si l'on peut dire qu'au fond c'est une éthique aristocratique pour tout le monde eh bien je crois qu'on peut le dire plus généralement pour le sport c'est une éthique aristocratique il s'agit de faire partie des meilleurs que le meilleur gagne mais pour tout le monde parce que bien sûr le sport n'est pas réservé à une élite de la naissance du sang ou de la fortune en tout cas il faut tout faire pour qu'il ne soit pas réservé à une élite Et donner place à cette éthique aristocratique, donc fondée sur l'inégalité en fait et en valeur des humains. Dans un univers démocratique fondé sur l'égalité en droit et en dignité des mêmes humains, ça me paraît une vraie richesse possible. C'est pas seulement dans le sport, c'est vrai aussi en art. Hein. Il y a des artistes supérieurs à d'autres, heureusement. Certains ont du talent, d'autres n'en ont pas. Certains ont du génie, d'autres n'en ont pas. C'est vrai aussi de la morale. Il y a des salauds, il y a des gens bien. Évidemment que les gens bien sont supérieurs en fait et en valeur aux salauds, etc., etc. Le sport n'est pas le seul domaine où cette éthique aristocratique peut trouver à s'exprimer. Mais vu la place énorme qu'il occupe dans la tête de nos contemporains et dans nos médias, il pourrait aider nos concitoyens à comprendre qu'il n'y a pas à choisir entre la morale démocratique, égalitaire des droits de l'homme, d'une part, et l'éthique aristocratique des meilleurs, d'autre part, les deux sont légitimes. La seule erreur grave serait de les confondre. Ni les confondre, ni je veux dire, amputer euh, l'idéal démocratique d'un idéal entre guillemets aristocratique. Sinon, on a cette évolution éventuellement non démocratique de la démocratie. Voilà, je pense bon, à Tocqueville. Bon, je... Si vous ne pensez pas, en gros, qu'un démocrate c'est mieux qu'un qu fasciste, si vous voulez, vous faites le jeu du fasciste. C'est bien que c'est justement parce que nous sommes démocrates, parce que nous sommes attachés à l'idée que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Qu'il faut rappeler qu'ils ne sont pas égaux en fait et en valeur, parce que justement, ceux qui pensent que tous les humains sont égaux en droit et en dignité, les démocrates en gros, sont supérieurs en fait et en valeur, au moins de ce point de vue, à ceux qui pensent le contraire. Autrement dit, attention de ne pas confondre la démocratie et le nihilisme. Et si on confond l'égalité en droit et en dignité, Valeurs à défendre, valeurs essentielles bien sûr. Avec une supposée mais illusoire égalité en fait et en valeur, on passe insensiblement de la démocratie au nihilisme, du tous les humains sont égaux au ils se valent tous, tout se vaut, rien ne vaut, auquel cas on n'a plus rien à reprocher à ceux qui refusent la démocratie. Il faut accepter aussi de, parfois de regarder les choses un peu en face, c'est-à-dire que cet cette idéal du meilleur, Aristos hein, en grec, le meilleur, euh, peut conduire aussi à essayer de, de compenser euh, des, des inégalités euh, de nature, entre guillemets, euh, en utilisant par exemple le dopage. Le dopage intervient aussi pour essayer de, 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 de combler peut-être des, des déficits, entre guillemets, naturels, des déficiences. Est-ce que ce n'est pas un des effets pervers, finalement, de cette. Un effet pervers, mais moins de l'éthique aristocratique, parce que celui qui s'est dopé n'est pas meilleur que les autres. Il a gagné plus d'argent, il a gagné le titre, mais la, la, il Ce n'est pas, pas qu'il est plus talentueux, c'est qu'il est mieux soigné, si on parlait de soins, il est mieux. Dopé, si vous voulez. Donc, ce n'est pas l'éthique aristocratique, c'est la perversion. Et je crois que cette perversion doit moins, en vérité, au problème de l'aristocratie possible être que le, que le meilleur gagne qu'au phénomène financier, médiatique. Quand on voit la masse d'argent et de gloire, qui tombe sur les épaules d'un jeune homme de 20 ou 22 ans euh, parce qu'il a gagné le, le Tour de France, par exemple. Prenons un exemple où le dopage, comme chacun sait, fait des déravages. Euh, il est illusoire de penser qu'ils vont renoncer à se doper euh, simplement par attachement à leur conscience euh, morale. Et donc, bien sûr qu'il faut des contrôles, bien sûr qu'il faut des sanctions. mais... Vu les masses d'argent et de médias, de notoriété, de gloire qui, qui, qui sont en jeu, j'avoue être devenu assez pessimiste dans, dans ce domaine-là. En tout cas, moi, j'ai cessé de m'intéresser au vélo, qui a été, on n'a pas parlé au tout début de notre entretien, mais qui a été le seul sport qui m'est passionné vraiment. J'ai fait un peu de vélo comme tout le monde, un peu de foot comme tout le monde quand j'étais enfant, mais je n'ai jamais été vraiment passionné par aucun match de foot comme spectateur. Par contre, j'ai suivi... Passionnément, avidement, les, les différents tours de France de, de, de mon enfance et de mon adolescence. Mon enfance était du temps de Jacques Anquetil et mon adolescence était du temps de Didier Marx. Euh, eh bien, ça a cessé de m'intéresser du jour où j'ai compris que, selon toute vraisemblance, Anquetil et Marx étaient dopés. Et ça a suffi à. Ça suffit, oui, oui, voilà, ça suffit. Après que les institutions sportives fassent leur travail, ils se passeront très bien du fait que je regarde ou pas l'arrivée la des, des étapes à la télé, je ne les regarde plus. Mais ça suffit, oui, parce que j'en ai rien à foutre au fond de savoir si Anctil était mieux dopé que Poulidor. si vous voulez. La chose avait du, du panache, de l'intérêt, si vraiment il fallait savoir lequel des deux était le meilleur, voilà, que le meilleur gagne. Si celui qui gagne, ce n'est plus le meilleur, mais le, le mieux dopé, le, le plus intelligent, le plus habile à se cacher. Alors, effectivement, moi, ça, ça ne m'intéresse plus. Mais ce qui devait vous, probablement vous intéresser aussi, c'est la manifestation populaire. C'est un élément de la culture populaire. À l'époque, assez peu. à l'époque, en j'avais entre 7 et 14, 15 ans, 7 et 16 ans. Dans ce qui m'intéressait, c'était la geste héroïque c'était la dimension de, de souffrance de là pour le coup le, le héros de, le héros voilà c'était le héros qui à la limite risquait sa peau Simpson en est mort parce qu'il était dopé c'est une toute vraisemblante mais enfin il en est mort quand même vous voyez. oui il y avait les grandes étapes de Antilles roue à roue en escaladant le Puy de Dôme si mes souvenirs sont bons le panache invraisemblable de Merckx parce que c'était pas très drôle, en vérité, d'être passionné de vélo quand Anquetil tenait le haut du pavé, parce que ce type était au fond d'une médiocrité extrême dans sa façon de, de courir. On n'a jamais gagné le Tour de France avec aussi peu de panache qu'Anquetil dans mon souvenir. Quand Merckx est arrivé, au contraire, j'ai vu ce qui était un champion qui avait du panache, qui avait des victoires spectaculaires, qui prenait des risques, etc. Non, c'est ça qui, qui me touchait. La dimension phénomène social à l'époque, j'étais trop jeune pour y attacher beaucoup d'importance. je me que le héros est toujours exclusif. C'est toujours le héros contre un autre héros. Vous avez choisi Merx contre Anctil. Mais là, nous sommes dans... Oui, mais en l'occurrence, j'ai admiré les deux. Mais simplement, j'en ai un peu voulu rétrospectivement à Anctil, non seulement d'être dopé, euh, selon toute vraisemblance, mais d'avoir gagné avec... Euh, de façon aussi peu, aussi peu spectaculaire, aussi peu héroïque, si vous voulez. Mais oui, il y a le, dans le héros, tout le monde ne peut pas être un héros. Au fond, c'est ça, et c'est où on retrouve l'éthique aristocratique. Dans l'idée que le meilleur gagne, il y a par définition l'idée que tout le monde ne va pas gagner. Et ça fait partie de la vie. Encore une fois, moi, je, je me désole quand on, on essaye de convaincre nos, nos, nos enfants que tout ce qui relève de l'émulation ou de la compétition, ça serait le mal. Mais non, pas du tout. Ce que je crois, c'est qu'il y a des compétitions bien plus importantes que le football. D'ailleurs, quand on parle de nos amis, euh, si je vous demande euh, qu'est-ce que tu penses d'un tel, vous n'allez pas lui dire Oh, c'est un type formidable, il court très vite. On s'en fout que vos amis courent vite ou pas. Vous allez dire Qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est courageux, qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il est généreux. Voilà les vraies qualités, si vous voulez. Ce qui me désole dans la compétition sportive, ce n'est pas la compétition. C'est que la compétition se joue en général sur des choses vraiment qui relèvent des, des plus bas degrés de l'humanité. Ce n'est pas condamnable. Courir vite, c'est mieux que courir lentement. Mais enfin, en gros, on n'en a rien à foutre de courir vite ou, ou pas. Si quand vous faites un enfant, votre enfant naît, vous dites pas, mon Dieu, pourvu qu'il fasse le 100 mètres en moins de 11 secondes. Si vous, voulez. vous dites, pourvu qu'il ne soit pas handicapé, pourvu qu'il soit intelligent, pourvu qu'il soit capable d'aimer, qu'il soit courageux, pourvu que ça soit intime bien. Ça, oui, bien sûr, mais. Pourvu qu'il court très vite, euh, ça non. Voyez. Donc, attention, un, de ne pas célébrer exagérément le sport. Sortons de cette espèce de, de folie sportivo-médiatique d'aujourd'hui où un gamin de 20 ans, parce qu'il a gagné un, un match de tennis ou une course, de, une course à pied, tout d'un coup devient pendant quelques années une célébrité, une fortune. Enfin, tout ça me paraît éduque. Ça vaut pour le rock et ça vaut pour. Oui, le... ça vaut pour, pour d'autres choses, chance, si vous voulez. Mais, à la limite, un grand groupe de grog, si vous voulez, les Beatles ou les Rolling Stones, ils ont quand même apporté davantage, même que Merckx et Antil, si vous voulez. Vous voyez, bon. euh, mais en revanche, ne condamnons pas la compétition en elle-même, ne condamnons pas l'émulation en elle-même, ne condamnons pas la rage de vaincre. Euh, on vit dans un pays où assez souvent, on préfère les perdants. Vous vous rappelez là. Le succès populaire de Poulidor que les Français au fond préféraient massivement euh, à, à Anquetil. Euh, moi, je crois qu'un pays qui préfère les perdants euh, est mal parti, si vous voulez. Voilà. Et, et donc, j'ai envie de dire, euh, attachons un peu moins d'importance au sport, mais arrêtons de condamner, de culpabiliser tout ce qui relève de l'émulation, de la compétition et, et du désir de vaincre. Vous savez, un jour, je, je j'avais rendez-vous avec Bernard Kouchner pour, 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 pour un dîner. Bernard arrive en retard, venant de je ne sais quel point du, du globe. Il y a des années, il n'était pas du tout ministre à l'époque. Bernard me dit, on, on dit toujours que c'est dans l'échec qu'on reconnaît ses vrais amis. Ce n'est pas vrai, me dit Bernard. C'est dans le succès. Et il a évidemment tout à fait raison. N'importe qui est capable de vous pardonner un échec. Au contraire, ça fera plaisir à des tas de gens. Mais un grand succès, croyez-moi, les gens qui vous pardonnent un grand succès, ceux-là sont vraiment vos amis. Oui. Et je crois qu'en France, où encore une fois, on a tendance à préférer l'échec au succès, à préférer les perdants aux gagnants, le sport pourrait servir euh, à réhabiliter l'idée d'émulation, de compétition, et je dirais un, un saint désir de victoire. Il est légitime, il est sain, il est salutaire de préférer la victoire à la défaite. Donc, on pourrait retrouver une question que vous avez posée le capitalisme est-il moral Parce que ce que vous dites, on pourrait très bien l'appliquer à, à la vie économique. Cette oui, année. parce qu'il y a de la compétition, euh, il y a des rapports de force, et tout le monde ne peut pas gagner, si vous voulez. Et comme vous le savez, ma réponse, c'est que le capitalisme, le capitalisme, bien sûr, n'est pas moral. Il n'est pas non plus immoral il est résolument Amoral. Autrement dit, euh, euh, ce n'est pas le meilleur moralement qui gagne, c'est celui qui a le meilleur produit, qui a les meilleurs vendeurs, etc. On pourrait dire la même chose du, du, du sport, bien sûr. Euh, ce n'est pas l'individu le plus généreux qui va gagner, c'est pas le, le, plus, le plus intelligent, c'est pas le plus honnête. En gros, c'est celui qui court le plus vite. Alors, c'est là où on retrouve l'élément dérisoire du, du sport. Courir vite ou pas, ce n'est pas important, évidemment. Mais ce qui peut avoir de sain, de structurant, parce qu'encore une fois, il est essentiel, je dirais surtout dans une société démocratique, de redonner sa place, sa légitimité aux idées d'émulation, de compétition, de rivalité, de rapport de force et de victoire. Vous êtes partie prenante d'une fondation, la fondation du football. Donc vous ne vous intéressez pas au sport, mais finalement on s'aperçoit que le sport traverse votre vie. Oui, votre, parce que je suis père de famille. Super de famille. Donc c'est donc vrai, vous avez raison. J'assume le fait. Je suis membre du conseil d'administration de la fondation du football, dont le but, si vous voulez, c'est de faire que. Donc, C'est une, une fondation présidée par Philippe Séguin, dont, dont, qui est une émanation de la Fédération française de, de football. Le but, c'est de faire que le football ne serve pas seulement à faire du fric et du spectacle, mais serve aussi à former nos jeunes gens, c'est-à-dire essayer d'utiliser l'énorme impact social ou sociétal dont le football dispose. Pour pour aller, si possible, dans la bonne direction, pour aider nos, nos jeunes gens à avancer plutôt qu'à s'enfoncer dans, dans le sordide ou, ou le dérisoire. La Fédération française de football m'a demandé de faire partie de cette fondation du football et j'ai accepté un petit peu pour les deux raisons que j'évoquais au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, je suis bien obligé de constater la place énorme que le sport en général et le foot en particulier occupent dans la vie médiatique et donc pour une part dans notre société et en tant que père de famille et souvent à mon corps dépendant, non, non pas père de famille, mais j'ai bien dû constater que mes trois garçons étaient passionnés de football beaucoup plus que de, de quoi que ce soit, du moins quand ils étaient petits ou très jeunes. C'est un peu moins vrai heureusement maintenant. Euh, et cette double sensibilisation de... De, de, de citoyens et de pères de famille à l'importance du foot, importance souvent négative. Pour beaucoup de jeunes garçons, le foot a été une espèce de catastrophe, de tsunami culturel qui a tout balayé. On ne lit plus, on, on regarde des matchs de foot à, à la télé. Euh, ça m'a paru important d'y réfléchir et d'essayer de voir si on ne pouvait pas essayer de faire que le football ait un impact sociétal euh, qui ne soit pas seulement négatif. Il y a autre chose, c'est que pourquoi est-ce que le foot est le sport roi d'un point de vue médiatique euh, Moi j'ai le sentiment que c'est devenu le sport roi pour, pour de mauvaises raisons sportives. Euh, J'entends par là que je disais le principe du sport c'est que le meilleur gagne. Euh, c'est comme ça au tennis par exemple. En gros au tennis c'est le meilleur qui gagne. Je n'ai jamais vu un match de tennis où on me dit bah, un tel était meilleur mais c'est l'autre qui a gagné. Non non, si l'autre a gagné c'est que l'autre était meilleur. Alors qu'au football, comme dans la vie, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Euh, parce qu'il y a une part de réussite, il y a une part de chance, et puis c'est un sport collectif, et puis taper dans un ballon avec le pied, c'est tellement approximatif que même un champion peut la mettre au-dessus de la barre, voire très très haut au-dessus au de la barre. Et, et donc la passion que les gens ont pour un match de football n'est pas seulement la passion sportive qu'on a, par exemple, devant un match de tennis, où on, on voit bien que c'est le meilleur qui gagne. Il y a une part de chance, il y a une part de hasard, il y a une part de malchance, il y a des phénomènes humains un peu obscurs, comme dans tout sport collectif, il y a une part de haine, une part d'agressivité, euh, si bien que c'est justement parce que c'est un sport moins pur, euh, d'un point de vue sportif, que le tennis ou. Wow. Ou la course à pied, si vous voulez, que il a davantage d'impact social. Et puis il y a le phénomène justement de, de l'arbitrage, où quelqu'un qui ne fait pas partie, qui ne fait partie d'aucune des deux équipes, est amené à trancher finalement les, les éventuels conflits entre eux, à sanctionner les uns, à protéger les autres. Euh, J'aime assez ça finalement dans, dans, dans le foot que, que jamais, mais Quel éloge du sport dis, dis donc, Non, dis donc, que ça m'éclaire. Ça m'éclaire que le sport. Euh, qui est le plus populaire et justement le sport qui est le moins pur d'un point de vue sportif, celui qui ressemble le plus à la vie. Euh, dans la vie, comme chacun sait, c'est pas toujours tant s'en faut le, le meilleur euh, qui gagne, parce que ça prouve finalement que les gens aiment davantage la vie que le football et ça, ou davantage la vie que le sport et ça malgré tout c'est une bonne nouvelle. Le football est un est un sport collectif et cette opposition que vous faites entre le tennis et, et le football, c'est peut-être aussi cette opposition entre un affrontement au fond individuel et un sport qui, euh, parce que collectif, suppose des solidarités, suppose euh, peut-être est-ce une bonne leçon aussi euh, d'entraide de. Je, je crois qu'en effet, s'il est des sports collectifs. On... Espèce de, de, de prime hein, populaire, si, si l'on peut dire, ça peut tenir aussi à, à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les, les sports individuels, le tennis, la boxe, que, que sais-je, on, on trouve des, 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 des valeurs d'émulation, de, de compétition, d'affrontement, mais par définition, pas de solidarité, puisqu'on est tout seul euh, dans son camp. Et qu'inversement, les sports collectifs, le foot, le, le hand, euh, le basket, que sais-je, développent en effet des valeurs de solidarité, c'est-à-dire aident nos jeunes gens, euh, puisque c'est quand même pour eux que le, le sport est le plus important, à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut réussir qu'avec d'autres. Alors ça, c'est une bonne leçon. Euh, attention de ne pas faire de cette solidarité une vertu morale. Euh, comme vous le savez, dans mon petit traité des grandes vertus, je consacre 18 chapitres à 18 vertus qui me paraissent les principales. Il n'y a pas de chapitre sur la solidarité. Ce n'est pas que la solidarité, ce n'est pas important. C'est que la solidarité, ça ne relève pas de la morale. Pourquoi seriez-vous davantage attaché aux gens de votre équipe qu'aux autres Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Vos adversaires ont le même droit, la même dignité que, que vos coéquipiers. Qu tout ce qui vous amène à faire une différence entre vos adversaires et, et vos coéquipiers ne relève pas de la morale, ça relève d'autre chose. De quoi bah, Tout bêtement de la convergence des intérêts. Vos coéquipiers ont les mêmes intérêts que vous, la victoire. Vos adversaires ont des intérêts opposés aux vôtres, si c'est vous qui gagnez, eux vont perdre. Et, et, et donc, là encore, je crois que le sport peut avoir effectivement une vertu pédagogique à condition... Qu'on ne fasse pas de la solidarité une vertu morale, à condition qu'on explique que la solidarité, c'est une convergence d'intérêts, ça relève donc de l'égoïsme bien compris. Plutôt que d'être égoïste tout seul, bêtement et les uns contre les autres, bah, soyez égoïste ensemble. Soyez égoïste à 11, par exemple, s'il s'agit d'une équipe de football. Et je crois que là encore, ça pourrait aider nos jeunes gens à progresser si on leur faisait comprendre la différence entre la solidarité qui les unit à leurs dix coéquipiers. Et le respect égal qu'ils doivent avoir pour les 22 joueurs sur le terrain, y compris sur eux-mêmes, mais pas plus pour eux-mêmes que pour les autres, pas plus pour leurs coéquipiers que pour leurs adversaires. Reconnaissons qu'on en est très loin dans les stades. Alors, souvenir de père de famille, quand mes enfants étaient petits, je les accompagnais au stade, il fallait bien. Et une fois, en étant en vacances près de Marseille, je les emmène voir un match au stade vélodrome à Marseille, entre l'OM et je ne sais plus quelle équipe. Et alors j'étais effondré, effondré, parce que euh, la solidarité des supporters avec leur équipe était, était avérée, évidemment, mais en revanche, le respect pour l'adversaire était absolument nul. Autrement dit, dès que l'adversaire avait le ballon, il y avait 50 000 personnes dans le stade Vélodrome qui sifflaient, qui huaient un adversaire qui n'avait fait aucune faute, mais qui simplement avait le malheur d'avoir le ballon. Alors vous voyez, quand la solidarité euh, débouche sur l'irrespect, quand la solidarité avec son équipe débouche sur l'irrespect vis-à-vis de l'adversaire, c'est un contresens total sur le sport. Vous voyez euh, il ne s'agit pas de dire, comme le disait je crois Albert Jacquard, euh, il faudrait qu'ils aient chacun un ballon, qu jouent, que les deux équipes jouent ensemble, euh, sans, sans compétition, Mais non, ce ne serait plus un match de football. Il ne faut pas, au nom de l'égalité, au nom du respect, renoncer à la compétition et donc à la solidarité. Là encore, tenons les, les deux bouts de la chaîne. Il y a une solidarité légitime avec les coéquipiers, c'est bien, et le sport peut aider nos jeunes gens à comprendre ça, à condition que la solidarité légitime nécessaire avec les coéquipiers... Ne soit pas, ne débouche pas sur l'absence de respect vis-à-vis -vis des adversaires. Ou alors une morale utilitariste, là, il faudrait. Une, une morale de l'intérêt. Bon. Oui, mais c'est une autre question, parce que euh, on peut avoir une théorie utilitariste de toute valeur, si vous voulez, mais la générosité et la solidarité, c'est deux choses différentes. Parce que la générosité, dans son principe, elle est désintéressée. Là, on pourra essayer de trouver après une explication par le bien-intérêt, mais en gros, être généreux, c'est s'occuper du bien. D'autrui, sans y trouver soi-même aucun bien en tout cas matériel. La générosité est désintéressée. La solidarité, par définition, ne l'est jamais, puisque la solidarité, c'est une convergence d'intérêts. Et c'est pourquoi, encore une fois, la générosité est une vertu morale. Euh, la solidarité, non. La solidarité est une vertu. Si encore on peut parler de, de ce mot euh, social, politique, économique, sportive éventuellement, mais ça ne relève pas de la morale. Il y a un aspect quand même du sport dont on ne peut pas ne pas parler, à savoir, cette, on parle parfois de dolorisme, enfin disons le rapport à la, à la souffrance, comme s'il y avait une véritable rédemption par la souffrance, comme si le fait que le sportif souffre, souffre dans l'entraînement, que son corps souffre, que cela lui conférait une, une valeur nouvelle et que, et que d'une certaine façon il faut attendre du sport, non seulement une sorte de, de rayonnement du corps, mais aussi une souffrance. Est-ce qu'on n'est pas là dans une thématique assez vieille qu'on trouve dans la tradition chrétienne, le oui, salut par la souffrance. Ça dépend comment c'est fait. Parler de rédemption par la souffrance, effectivement, des connotations chrétiennes, ça ne pas ce qu'il y a de mieux dans, dans le christianisme. En revanche, l'encore aider nos enfants à comprendre qu'on aboutit à rien sans effort et qu'il n'y a pas d'effort sans souffrance, là c'est une bonne leçon, si vous voulez. Vous voyez j'ai envie de dire qu'il faudrait se tenir dans la voie du milieu, sur la ligne de crête entre les deux abîmes, comme dirait Aristote, l'abîme du dolorisme, qui dirait c'est la souffrance qui est bonne, et puis l'abîme de la velerie, qui dirait pas de souffrance, pas d'effort, tout doit venir tout seul. Ce n'est pas vrai non plus. Voyez Je crois qu'entre les deux, entre ces deux. Entre ces deux défauts, le dolorisme et la volerie, il y a la, le juste milieu, comme dirait Aristote, c'est-à-dire comprendre que, bien sûr, que le plaisir vaut mieux que la souffrance, euh, mais qu'il y a des tas de plaisirs qu'on n'obtient pas sans effort et qu'il y a très peu d'efforts euh, qui ne supposent pas au moins une part de souffrance. Que le sport aide un, un jeune garçon ou une jeune fille, à comprendre ça, à comprendre qu'il y a des moments où la souffrance est nécessaire, que prendre sur soi, ça peut être bon, là, je dirais, c'est plutôt le, le bon côté du, du sport, à condition de ne pas tomber, bien sûr, dans, dans l'adulation de la souffrance euh, pour la souffrance. Alors, les conséquences dont vous parliez tout à l'heure, ça, c'est-à-dire des corps aussi démolis, éventuellement, des C'est ah, autre chose qu'à qu mon avis, on ne dit pas assez, c'est que... Tous les sports ne sont pas bons euh, pour la santé. Alors mieux vaut faire un peu de sport que rester à toute la journée, évidemment, sur, sur son canapé devant la télévision. Mais c'est vrai que trop de sports souvent, nuit à, à la santé, et spécialement certains sports parce qu'ils sont asymétriques, comme le tennis, parce qu'ils sont violents, euh, comme le karaté ou le football, si vous voulez, bon, euh, Violents au sens où il y, y a des impacts, il y a des chocs, ou le rugby au, aussi bien. Euh, Peut-être rappeler ça aussi, ce que autant il est bon parfois d'être capable de faire des efforts, d'accepter une part de souffrance, autant en revanche, quand le sport finit à nuire à la santé, euh, bah évidemment la santé est plus précieuse que le sport. Et je crois que nos journalistes euh, ne rappellent pas assez. Ça, que euh, le sport n'est pas toujours bon. Si on, avait, si on regardait un petit peu les, les statistiques sur les différents accidents que se font nos gamins en jouant au foot, au rugby, au tennis, ou en faisant du, du judo, du karaté ou que sais-je, euh, on verrait que le bilan sanitaire, pour le coup, en termes de santé publique, le bilan du sport de compétition n'est pas forcément positif. vous inspire la, la devise olympique, euh, Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus, plus fort, euh, un sourire euh, de dédain, euh, ça n'est pas important. Là encore, euh, quand vous pensez à vos amis, quand vous pensez à vos enfants, euh, vous ne vous demandez pas euh, jusqu'où ils sautent, 2 mètres, 2 mètres 20, tout le monde s'en fout. Tu fais combien au 100 mètres 12 secondes 30, 15 secondes 20 Tout le monde s'en fout. Ça n'a aucune importance, si vous voulez. Et il y a, alors on retombe ce que j'appelais l'adulation médiatique du sport aujourd'hui, qu'on attache tellement d'importance à la hauteur d'un saut, à la vitesse d'une course ou à la, à la force d'un champion. Tout cela me paraît dérisoire. D'autant plus que nous vieillissons et que dès l'âge de 27, 28, 30 ans, c'est pas plus vite plus haut plus fort c'est moins vite moins haut moins fort or que je sache à 30 ans la vie n'est pas terminée parce qu'il y a aussi ça qu'il faut dire c'est que à force de célébrer le sport on enferme nos jeunes gens dans le jeunisme puisque en gros après 30 ans tout est terminé, ils n'iront pas plus vite, pas plus haut, pas plus fort, si bien que la devise olympique, ça veut dire à nos enfants, en gros, à 30 ans, la vie est finie, ce qui est exactement le contraire de la vérité, le contraire de ce qu'il faut leur dire. Bref, la vraie devise, mais on n'est plus aux Jeux olympiques, c'est davantage d'amour, davantage de courage, davantage de générosité, davantage de justice. Alors là, tu peux avancer tout au long de ta vie. Tu peux aussi reculer, mais au moins la vie n'est pas finie à, à 30 ans. Euh, bref, disons, euh, redisons une nouvelle fois que euh, la vie est plus importante euh, que le sport, que l'amour est plus important que la compétition, que la justice est plus importante que la victoire. Ce n'est pas une raison pour renoncer à la victoire, parce qu'il faut que la justice triomphe. Voilà, mais rappelons à nos enfants qu'il y a plus précieux euh, que le sport euh, c'est la vie. C'est l'amour, c'est la justice.